Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Nous allons donc continuer l'aventure, hein, essayer de la terminer le plus rapidement possible, histoire qu'on puisse passer à autre chose aussi. Tiens, je vais me rendre compte aussi que j'ai des armes en trop. Toi, j'aimerais que tu, que tu sois jeté. Tant pis, hein, je vais pas te garder. D'ailleurs, tout ça là, ça me met strictement inutile au passage. Hop. Ok, bon bah ça on est bon, bloom, voilà. Donc nous étions en train, donc allons voir quand même un petit peu ce que nous faisions. D'accord. Dale et son technicien sont neutralisés, donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va voir sur la carte, il faut qu'on accède aux navettes, non même pas, si aux navettes c'est ça. Non. Si, c'est ça. Aux navettes, et nous sommes actuellement dans l'arboretum. Donc on passe par le TEG. Le TEG, est-ce que c'est là? Le TEG, c'est ici. Parfait, on avait bien programmé la suite de l'aventure. Donc c'est une très bonne chose. De mémoire, le jeu était devenu un peu plus dur aussi, parce qu'il y a eu les vacances entre temps. Donc on va essayer d'être un petit peu quand même, un petit peu... moins économe, on va dire. On va plus bourrer dans le tas, être un peu plus efficace, tout simplement. En tout cas, on va essayer. C'est parti. Non, c'est vrai. Ok. Zone de Fred B. Est-ce que c'est bien par là? Zone de Fred B. Zone de Fred. De fait, ça pourrait être par là. Faut surtout qu'on trouve en fait l'accès aux navettes. L'accès aux navettes. De toute façon, je crois qu'on a une extrémité, donc faut surtout qu'on avance en fait tout droit. Oula, le son est un peu plus fort que prévu. Allez, on y va. T'es gentil, parfait. Ça doit être mon frère. Ah non, même pas. Psychotronique. Attendez. Psychotronique. Il est possible que je sois allé un poil. Quoi ? Dieu merci. J'ai parcouru toute la liste des contacts en espérant que quelqu'un réponde. Je suis dans le service traumatologie. J'étais venu chercher du matériel médical. Je crois que je me suis cassé le bras quand tout est arrivé. Wouh ! Ce qui veut dire que je tombe ? Cargo B, Arboretum, Shuttle B. Shuttle B, ça doit être ça, non? Shuttle B, accès aux navettes, ça doit être en bas, donc. Ok, progressons. Attention, microgravité imminente. Veuillez patienter. Changement gravitationnel dans... Safety platform. What? Psy nullifié, d'accord. Déjà de base, il faut qu'on arrive à nullifier ses pouvoirs. Je sais plus c'est quoi, c'est ça. Oula! Mais ce truc fait vachement mal. Ça va? Tu l'apprécies? Bouffe! Voilà. Shuffle, shuffle, ça va être où? Je me pose là. Changement gravitationnel. Faut que je retourne. Il y a une échelle là. 3, 2, 1. La gravité est maintenant de 1G. Je cherche le shuffle en fait, c'est ça le truc.
problème c'est que j'arrive pas à m'orienter là-dedans. Carte. D'accord. Tunnel à fret. Ingénierie B, j'aurais peut-être dû passer par là, je sais pas. Putain, mais la caméra est naze. Tunnel d'entretien. Ok. À tous les survivants de Talos One, ici Alex Yu. Hop. Je sais que beaucoup d'entre vous sont effrayés, en colère. Peut-être que vous me tenez pour responsable de ce qu'il s'est passé. Mais je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Croyez-moi. Bien au contraire. Le commandant Dahl, en revanche, ne compte pas sauver quoi que ce soit à part les secrets de cette station. À présent, vous n'êtes plus qu'un poids pour la société. Dahl, Shuttle B, c'est par là. Je sais que tu m'entends. J'ignore ce que mon... ce... Ah, je pensais pas que ça serait si haut. Ah si, quand même. Ok. On l'entend plus. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Alors attendez, chargement rapide. Oh, il va peut-être me remettre au bon endroit tout seul. Attendez, je vais croire en le jeu. Est-ce que le jeu croit... Ah ouais, bah non, de toute façon, c'est... Dernière sauvegarde, ça donne quoi, la dernière sauvegarde? Oh, c'est pas si loin. Attention, que ça. Changement de gravité à 1G. Veuillez... Morgane? Oh, Dieu merci. J'ai parcouru toute la liste des contacts en espérant que quelqu'un réponde. Je suis dans le service traumatologie. J'étais venu chercher du matériel médical. Je crois que je me suis cassé le bras quand tout est tombé en rade. T'inquiète. Maintenant, je suis coincé ici. Il y a des aliens pas loin. J'ai vraiment besoin d'un coup de main, là. Ok. Je viens de me coincer dans le truc. C'est complètement pute. Non, franchement, là, c'est... ça fait deux fois, là. On se met bien d'accord, ça, se met... ça fait deux fois. Attention. Que tu te fous un petit peu de ma gueule, je... Morgane ? Oh, Dieu merci. J'ai parcouru toute la liste des contacts en espérant que quelqu'un réponde. Je suis dans le service traumatologie. J'étais venu chercher du matériel médical. Je crois que je me suis cassé le bras quand tout est tombé en rade. Et maintenant je suis coincé ici. Il y a des ennemis pas loin. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Il me suit pas. Désolé, je vais... Ok. Attention, microgravité. Bonjour les... Josh, mais qu'est-ce que ça veut dire? La sécurité m'a demandé de... Changement gravitationnel dans... Non, je suis désolé, je trouve ça complètement pute. Ce qui est encore plus marrant. Me voler mes... Si je repasse pas par-dessus... Je fais partie des décideurs du projet Black Box. C'est comme ça que ça marche ici. Si tu savais un tant soit peu travailler en équipe, tu comprendrais. Ah, et au fait, j'ai dû refaire une tonne de calculs. Donc, c'est pas vraiment ton... Ok. Ça fait... J'adore être rect par le jeu comme ça. Vive Bethesda, hein. Attention, microgravité imminente. Bethesda qui vient de m'enculer littéralement à sec. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Changement gravitationnel. La sécurité m'a demandé de... Attendez. Très drôle, connard. Tu sais ce qui est encore plus marrant? Me voler mes plans. C'est quoi tu parles? Je fais partie des décideurs du projet Black Box. C'est comme ça que ça marche ici. Si tu savais un tant soit peu travailler en équipe, tu comprendrais. Ah, et au fait, j'ai dû refaire une tonne de... Qu'un autre connard de Transtar vient de rejoindre la joyeuse troupe de Talos One. Le problème, c'est que je sais pas du tout où j'étais. Ces opérateurs de sauvetage, ce sont des opérateurs Black Box NCN9. Le sauvetage ne fait pas partie de leurs compétences. Merci, January. Attention, il y a ce machin là qui passe aussi. Alors, c'est cool, j'avais un truc à 2 secondes. La dernière chose dont on a besoin, c'est que tu te retrouves à sec en pleine action. Enfin, en pleine action, je trouve. C'est cette boîte là. Dirigez vers une plateforme de. Voilà. Ça, j'ai pu choper des neuromodes. Très drôle, connard. Tu sais ce qui est encore plus marrant? Me voler mes plans. De quoi tu parles? Je fais partie des décideurs du projet Black Box. Ok, bon. On est posé. Neuromode. Ah, et au fait, j'ai dû refaire une tonne de calculs. Donc, c'est pas vraiment ton... Sérieux? Ils croient que c'est intéressant, en fait, ce qu'ils disent. T'essayes de me piéger, Josh? Tu vas me dénoncer à la direction? Tu me fais pitié.
Et boum. Tu me fais pitié. On va mettre à l'épreuve la précision de mes calculs. Je suis sûr que si tu poses pas cette arme, je viendrai l'arracher. Oula. Oula, le mec c'est un malade. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, scientifique. J'ai tous les piratages, ça c'est quoi la psychotronique, va bien installer des puces, ça oui, ça peut être intéressant aussi. Ouais, allez, soyons fous. Aptitude psy. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai accès à deux puces supplémentaires. Oh la vache, c'est violent ça. Ah, ça aussi c'est intéressant. Où est-ce qu'il est, ça? Ça c'était intéressant. Bon, on va mettre ça déjà, puis on verra bien pour la suite. Ok, petite sauvegarde au cas où, hein. À tous les survivants de Talos One. Où est-ce que je suis là? Shuttle Bay, c'est bon, on est bon. On était pas loin, hein, mais il faut 10 minutes pour passer ce moment, quoi. C'est génial. Bonjour. Techniquement, il peut pas passer la porte, hein, donc on a tout notre temps. Hein. Ne vous inquiétez pas. S'il passe la porte, je pète une durite. Bonjour. Drake a dit, mais cette affaire te dépasse. Rappelle tes opérateurs. Aide-nous au moins à repousser les typhoons. Nous sommes sur le point de... Notre frère aime les micros, les projecteurs. On doit avoir un pouvoir, nous, pour contrôler les machines. Il ne peut pas résister, même s'il se cache. Et vous, vous courez partout comme un rat apeuré. Je vous entends. Mordiller les câbles et chier dans les murs. Vous On essayez... chie dans les murs. Là, autre chose. De vous enfuir. Je me targue d'être toujours préparé au pire. Mais ça, ça c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a de quoi être fier. Ok. On va la pirater. D'abord. Ça pourrait être intéressant. Vache. C'est... Ok, et X, c'est bon. Bon, on n'a pas trop perdu. On reste mauvais, mais on n'a pas trop perdu. On va la réparer au passage et on va l'améliorer. Une tourelle fortifiée là. Que la tourelle fortifiée fonctionne. Considérons que tu es de notre côté. Attention, microgravité imminente. Veuillez patienter. Voilà. Changement gravitationnel dans 3, 2. Il y avait un monsieur Flamme quand même. Hein. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Non? Lui il est HS. Il y avait quand même un capitaine Flamme là-bas. Hein. Attention, changement de gravité à 1G. Veuillez vous diriger vers une plateforme de sécurité.
Changement gravitationnel. Bizarrement, j'ai l'impression qu'il est encore là en fait, c'est ça qui est chiant. 3, 2, 1. La gravité est maintenant de 1G. Je me trompe apparemment. Ça m'arrive. Ok. Ça, je prends. C'est mieux avec la lumière. Attention. Tu m'as foutu les boules. Gravité imminente. Veuillez patienter. Voilà. Changement gravitationnel. Danger. 3. Ça va être chiant si c'est que ça pendant une demi-heure. 1. Microgravité activée. Ok. Je l'ai eu? Je l'ai eu! Cool! On continue. Bonjour. Attention, changement de gravité. 3 neuromodes, c'est la fête du slip. On va aller les utiliser tout de suite, je pense. 3 neuromodes, on pourrait faire quoi? Pas ça. Il en faut 6 pour l'armement. Peut-être passer là-dessus. Ça c'est quoi? Augmente endurance jusqu'à 125, augmente vitesse de déplacement, courir, sprinter, grimper plus vite en mode furtif. Ouf, ouais. Ça peut être intéressant aussi. On va continuer comme ça. Gravitationnel dans 3 2 1. Mais la non. Gravité est maintenant de 1G. C'est faux. Enfin si, non, c'est vrai pour la 1G, pardon. Bon, je vais ça me pète les couilles d'entendre ça tout le temps. Imminente. Ah. Veuillez patienter. Changement gravitationnel dans 3, oh, 2, 1. Microgravité activée. Merde, je suis débile. Qu'est-ce que j'ai supprimé? Disons que c'est ça. Tu veux bien enlever cette flamme? Non, il veut pas. Hein. Bon, bah, cette flamme reste. Cette flamme reste. Bon, bah, tant pis. Hein. Ok, bon. J'ai compris. Je me casse. Ça fait quand même 6 minutes qu'on est dans cette pièce, je crois, plus ou moins. Donc, tristesse quand même. Non concluant. Changement de gravité à 1G. Est-ce que c'est par là? Accès aux navettes. Ça doit être ça. On va aller là-dedans. On va bien voir. Hein. Advienne que pourra. Si c'est... C'est les vis de mon lever de vitesse qui est toujours là en fait. Qui viennent taper contre le... Comment que s'appelle le... Truc du siège. C'est rigolo. Bon, ils sont pas loin hein. Mais genre vraiment pas loin du tout quoi. Faut peut-être pas exagérer bonhomme, t'es même pas dans la même pièce, tu peux pas me voir. Demande de nouvel opérateur. Ah. Wouh. Prêt au déploiement, veuillez vous éloigner de l'ouverture. Ok, il y a du peuple. J'ai pas appuyé sur une touche.
afin que je puisse vous aider. Balayage de la zone. Continue à balayer la zone, c'est très très bien. Bon, soit on bute ces saloperies, soit on les garde en vie suffisamment longtemps pour qu'elles puissent nous aider en cas de combat. Personnellement, je partirais plus pour cette deuxième option. Laissons-les bosser. Laissons-les se faire du mal un petit peu entre elles. Je pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Ouh. C'est pas flippant. C'est pas flippant du tout dans le coin. Il y a un monsieur là. Bonjour monsieur. Comment ça va monsieur? Ça a pas l'air d'être la forme monsieur. Ok, continuons. Je vais me la mettre dans la poche. Voilà. Voilà. Piratage 4. Ah! Ah! X! W! Et merde! Hop! F! Il y en avait un cinquième! Merde! X! C'est bon, on a réussi, on a eu le temps! Ok, bon, c'est déjà ça. Je te répare. Ok. Ce qui veut dire que là je peux récupérer des pieds détachés. Ce qui peut être une excellente chose. Pour par exemple réparer celle-ci. Je la pirate. Hop. F. Ça va être tendu. Non, c'est bon en fait. Autant pour moi. Alors lui est de l'autre côté. Apparemment. Il y a eu une zone rouge, vous avez vu? Il y a eu un petit rouge qui est passé devant nous. Excuse-moi l'ami. J'ai dû te tirer dessus. Je vais optimiser un petit peu ma défense via, via nos copains. Hop, vu qu'ils sont un peu pétés. Putain Marcus, c'est pas bon ce que tu fais là. Non, c'est pas bon ce que tu fais Marcus là. Ok, W. Merde. Merde, mais putain, mais arrête de rebondir comme un, comme une brutasse. Voilà, W, c'est bon, on a réussi. Eh bah dis donc. Aïe.
C'est bon. J'ai déjà plus de balles pour ce petit flingue. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, on progresse. Bonjour. Qui dit cadavre dit potentiellement mimique. Demande de nouvel opérateur. Finalement, le problème ne venait pas des mimiques. Question. Opérateur Black Box NCA. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. C'est joli par là, dis donc, ouais. Enfin, je sais pas, ça me semble très joli. Oula. Moins joli d'un seul coup, mais... Ok. Pourquoi la plante ici est morte ? Morgan, j'ai réfléchi à ce que vous avez fait, à ce que vous faites. Chacun agit en fonction de sa nature. Quoi qu'en disent les psychologues et les curés, et votre nature. Je crois que j'avais vu juste. Vous êtes un rat, débrouillard, rusé, infecté par une sorte de peste cérébrale. Cette station a été votre laboratoire. L'expérience a été un échec. Monsieur, je sais tout. Bien sûr, j'imagine que vous connaissez aussi. Vous avez besoin. J'allais dire ça me parle cet endroit, mais... Aïe. C'est bon, THS ? D'accord, il y avait une tourelle. C'est rempli de tourelles dans le coin. D'accord. Ok. Why not? Il y a encore moult ennemis dans le coin. Alors. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Attention, combinaison endommagée. Je suis trop con, oui, je devrais pas les... Voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse depuis le début du jeu en fait. C'est aller les désactiver manuellement. Tout bêtement. Je suis stupide. Oh là là, le temps perdu, le gâchis, chers amis, le gâchis. D'accord. Je vais te pirater. Il est bien plus pratique qu'une tourelle hein, finalement vu qu'il se déplace. Hop, c'est bon. C'est comme c'est bon. Crac, c'est encore comme c'est bon. Vas-y Francky, comme le F, non tiens, vas-y. Ah, ah, cet instant de prémonition, encore un F. Oh oui. Oh, cet instant de prémonition du Marcus. Bienvenue dans l'équipe.
Toi, t'es HS aussi, mais t'es pas un copain. T'as trouvé un autre mec qui est pas un copain? Fait mal, hein? Oula! Ce truc en a après moi. Voilà, mais je l'ai eu. Oula. C'est le copain. Je suis hors de portée, j'ai l'impression. Touché. Encore. T'es bête, hein? Et je t'ai encore touché. Il y a encore une entité quelque part. Une entité qui m'en veut. Il y a encore une entité qui m'en veut quelque part. Alors comment je peux rejoindre? C'est une idée. Demande de nouvel opérateur. C'est un échec. Alerte système, préparation militaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Tous mes copains sont... On fait rect au fur et à mesure, c'est ça? Vous avez vu comme moi, il y a un truc qui était pas normal là. Franck. Ah, attendez, parce que c'est Franck qui a toujours été difficile à faire. Voilà, W. Je prends le chemin le plus long. Hop, c'est bon. Mais non, c'était pas si simple. Et c'est que c'était que des emails. Je déverrouille. Je vais réparer ça. Et voilà qui répond à la question. C'est bête, hein, tu peux pas passer à travers la porte. Comment je règle ce problème? Ok. Pas le bon pouvoir, je pense. Faut mieux qu'on parte là-dessus. Ok. Désolé. Et voilà, t'exploses tes potes au passage.
Normalement, il reste personne. Ok, bon. Yo. Oh, ça se fait qu'il repop, lui. Le jeu m'indique bien qu'il faudrait que je le fasse en fait. Vous voyez, il me donne des pieds détachés, tout ça. C'est assez étrange. Commande de puits gravitationnels activée. Très bien, hein. S'il nous est vraiment utile. Mais. Ah, quoique, peut-être si c'est pour rejoindre le truc. Eh, sait-on jamais. T'es sérieux, là? Ouais, t'es sérieux. Ok, bon, tiens, tiens. Note. Je ne sais pas qui s'est mis à dupliquer des objets à tout bout de champ, mais il faut que tout le fabricant n'ait pas un jouet. Les matériaux sont limités. Ouais. On va créer un. Bon, là par contre, je vais pouvoir en créer un paquet. Hein. Canon glu, une neuromote, c'est cool. Ça, c'est très très cool même. Pas fouiller ce truc là, il y avait rien dedans, normal. Ok, bon, on continue avec les balles de des pistolets, hein, parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Moi, je vous retrouve dans la suite après avoir fait toute cette recharge. A plus.